que je suis embauché. Je suis à Canogen, je suis trésorier du club, secrétaire administratif du club et également éducateur. Donc je suis à Canogen depuis la saison 2011-2012, de mémoire, oui. Et donc pendant 6 ou 7 années, j'ai fait que du terrain à Canogen. J'ai commencé par les U13, ensuite les U11, et jusqu'à l'année dernière, les U9. Ensuite, sur ma dernière année de U9, j'étais également dans le comité du club en tant que dirigeant. Et ensuite, sur les deux dernières saisons, je suis rentré dans le bureau en tant que trésorier. Voilà, donc également, comme je vous l'ai dit précédemment, secrétaire administratif, c'est-à-dire, j'ai toute la gestion des licences. Je suis arrivé au club, c'est par l'intermédiaire d'une personne dont nous avons fait connaissance quand j'étais éducateur à Arlac. Donc avant Canogen, j'étais éducateur à Arlac, au Stade Bordelais et à Pessac. Et après, donc, comme je le disais, une interruption du fait de ma situation professionnelle. Bon, je suis arrivé à Canogen, c'est bien. Ça fait quand même depuis la saison 2011, donc c'est un club que j'aime bien, qui plaît. C'est un club. Un club, disons, on a à peu près 300 licenciés cette saison, donc c'est un club familial, je me sens bien, c'est la raison pour laquelle je me suis investi à ces tâches plus administratives, en laissant maintenant un peu le terrain de côté, que le terrain, je le fréquente maintenant très, très occasionnellement. Pour terminer, je tiens à remercier le district de la Gironde pour m'avoir retenu en tant que bénévole du mois. Bien que cette distinction ait été abandonnée par la Fédération française de football, bon, c'est tout à l'honneur du district d'avoir continué à honorer les bénévoles de la Gironde.